Si j'avais su que c'était la dernière fois que je te voyais t'endormir, je t'aurais bordé au lit plus soigneusement. Et j'aurais prié Dieu, le Père éternel, pour qu'il veille sur ton âme. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je te voyais quitter la maison, je t'aurais donné un baiser, une caresse, et je t'aurais rappelé pour pouvoir en avoir un autre. Si j'avais su que c'était la dernière fois que j'entendrais ta voix, j'aurais enregistré sur cachette vidéo tes paroles, ta voix, afin de les réécouter jour après jour, parce que je t'aime. Si j'avais su, j'aurais pris une minute de plus pour m'arrêter et te dire je t'aime, au lieu de présumer que tu le savais. Demain n'est promis à personne, ni jeune, ni vieux. Aujourd'hui est peut-être la dernière fois que tu as pour serrer dans tes bras les êtres qui te sont chers. Jusqu'au cas que demain n'arrive pas, n'attends pas. Fais-le tout de suite. Ne soyez jamais trop occupé pour ne pas offrir un sourire, un câlin et une petite attention qui peut réjouir, réchauffer le cœur des personnes qui sont importantes pour vous. Serrez dans vos bras ceux et celles que vous chérissez et chuchotez-leur à l'oreille que vous les aimez et qu'ils sont importants pour vous. Prenez le temps de dire « Je m'excuse, puis je te rends service. Pardonne-moi. Merci. Et surtout, je t'aime. » Oui, quand quelqu'un nous aime, ça fait du bien. Jean Gabin, dans sa chanson « Maintenant je sais », il dit que quand quelqu'un nous aime, il fait très beau. Ainsi, si demain n'arrive pas, vous n'aurez pas aucun regret à propos d'aujourd'hui. Oui, si j'avais su.